Nous souhaitons calculer cette primitive où a est un nombre strictement positif donné. Appelons cette primitive grand F. Mais on ne sait pas très bien par quoi commencer. Nous allons appliquer une petite astuce. Nous allons diviser par 1, ainsi nous avons une fraction, et nous multiplions le numérateur ainsi que le dénominateur de cette fraction par cette racine carrée. Ainsi, on atterrit sur cette primitive-là. Primitive qui peut être écrite comme primitive d'une somme. En effet, nous avons ici 1 carré sur cette racine carrée, comme ça, plus moins x carré sur cette racine carrée. Et la primitive d'une somme, c'est la somme des deux primitives. Deux primitives que nous allons séparément traiter. Commençons par celle-là. Le numérateur, c'est a carré fois 1. Ainsi, le a carré peut sortir de la primitive comme constante multiplicative. Nous reste ceci à primitiver, et ça, ça fait fort penser à la dérivée de l'arc sinus de x. Mais pour cela, il nous faudrait un 1 ici devant. Nous n'avons pas ce 1. Alors on va le chercher. On multiplie le numérateur et le dénominateur de cette fraction par 1 sur a, et ensuite on fait entrer ce 1 sur a dans la racine carrée. Ça donnera en dessous de la racine carrée 1 sur a au carré qu'on distribue sur cette différence. Et ainsi, nous obtenons bien ce 1 là-devant comme on le souhaitait. Mais maintenant ici, on n'a plus la variable x au carré, mais on a x sur a au carré. Et si on dérive ce x sur a, on trouve justement le 1 sur a qu'on a au numérateur. Et par conséquent, nous allons primitiver par substitution. Nous allons poser u est égal à x sur a, dont la dérivée c'est 1 sur a. Donc le du, ça sera 1 sur a dx. Et ainsi, nous obtiendrons bien que c'est a carré fois arc sinus de x sur a. Maintenant la deuxième. Ce moins x carré, on va l'écrire un tout petit peu autrement. On va l'écrire sous la forme x fois moins x. Pourquoi? Parce que ici, nous reconnaissons de suite la dérivée de cette racine carrée. En effet, pour dériver cette racine carrée, on écrit fraction. Le numérateur, c'est la dérivée du radicand, c'est-à-dire moins 2x, divisé par, le dénominateur, c'est 2 fois la racine telle qu'elle est là. Donc, 2 fois cette racine. Et les deux 2 se simplifient. D'où bien ceci comme dérivée de cette racine. Maintenant, nous devons primitiver le produit de deux fonctions dont l'une est une dérivée. Alors, primitivons par partie. La formule dit qu'il faut d'abord écrire le produit de ces deux fonctions, mais sans prime. Voilà ce produit. Et en soustraire la primitive du produit de ces deux mêmes fonctions, où cette fois-ci, le prime saute sur l'autre. Oui, mais x', ça donne 1. Donc, il ne reste plus qu'à primitiver cette racine carrée. Mais regardons bien cette primitive. C'est justement celle que nous cherchons depuis le début. Appelons cette primitive grand F, et alors, nous obtenons ici x fois la racine carrée de a carré moins x carré moins ce grand F. Rappelons que le grand F que nous cherchons, c'est la primitive de cette fraction-là, c'est-à-dire ce produit, plus la primitive de cette fraction-là, c'est-à-dire cette différence. Donc, la primitive F que nous cherchons, c'est bien ce produit, plus cette différence. Maintenant, le moins F qui se trouve à droite du signe d'égalité à une constante additive près, on peut le mettre à gauche. Donc, à gauche, on aura grand F plus grand F, c'est-à-dire 2 fois grand F. Et maintenant, il suffit de diviser le tout par 2 et on aura finalement trouvé la primitive qui était demandée. Lorsqu'on est arrivé au bout,
on se réjouit vraiment parce que l'exercice était déjà d'un certain niveau.